Umma a le devoir d'honorer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire empêcher que quoi que ce soit puisse diminuer son rang. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Tout a commencé par un projet très attendu du gouvernement Macron sur ce qu'on appelle le séparatisme. Qu'est-ce qu'il veut dire par le séparatisme? Il parle du communautarisme musulman. Parce qu'il y a, par exemple, un communautarisme juif qui n'est pas concerné par cette loi. Alors, et Macron, quand il a commencé à tweeter la semaine dernière, il disait « Nous sommes unis, nous sommes une seule nation ». Il y a une seule communauté. Alors, certains ont compris, quand je dis certains, c'est une minorité dans le monde musulman, ils ont dit, ah, il ne fait pas de discrimination. Non, non, ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais vous assimiler. Vous allez devenir français, et quand je dis français, français avec les valeurs de la majorité. Donc, c'est une, vraiment une annonce d'assimilation de la communauté musulmane. Alors, il y a eu ce projet de loi qui était attendu. Maintenant, ce qui a mis le feu aux poudres, ce n'est pas le projet de loi en tant que tel. Mais ce sont les déclarations incendiaires de Macron, quand il a voulu annoncer son projet de loi de lutte contre le séparatisme, parce qu'il a dit, on avait le séparatisme basque, on avait le séparatisme corse, des gens qui voulaient se séparer de la République, de la nation française, d'un point de vue géographique. Maintenant, nous avons un nouveau type de séparatisme. C'est des gens qui veulent se séparer de la culture, des valeurs de la nation. Et c'est un ennemi intérieur. Ça vous rappelle la question de l'ennemi intérieur? C'est ce que disaient les nazis à propos des juifs. C'est ce que disait à un certain moment Bush à propos du terrorisme. Sauf que les Français, ce qui est dangereux, ils ne le disent pas à propos du terrorisme. Mais ils le disent à propos d'une conception de l'islam. Or, il se trouve que cette conception de l'islam, c'est celle de la majorité. D'ailleurs, les associations qui sont ciblées, ce sont des associations mainstream. Baraka City, le collectif contre l'islamophobie en France. Donc, on parle d'associations qui représentent, ben, qui sont les plus populaires en France. Quand je dis les plus populaires, les plus représentatives des musulmans de France. Le projet de loi était attendu. Macron, en l'annonçant, il fait son discours. Qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Il dit l'islam vit une crise partout dans le monde. Là, non seulement il veut lutter contre le communautarisme musulman chez lui, mais en faisant son discours, il dit l'islam vit une crise partout dans le monde. Et l'un de ses ministres a renchéri, il a dit, et la France, comme elle a en face d'elle une majorité sunnite, et cette majorité sunnite n'est pas organisée, la France va les organiser pour avoir des interlocuteurs valables. Subhanallah, une arrogance incroyable. Même si on concède que les musulmans sont désorganisés et qu'il n'y a pas d'unité et qu'il n'y a pas de leadership et qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable, pensez-vous que la petite France et le petit Macron sont capables d'organiser 1 milliard 800 millions et d'en tirer des... Subhanallah, l'arrogance française n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Le pays est en feu, les gilets jaunes n'ont pas encore déposé leur pancarte, les banlieues flambent. À l'intérieur, il a du mal à réformer ce que lui appelle l'islam de France, ni organiser les musulmans comme il voudrait bien le faire, et il dit, je vais le faire à travers le monde. De l'arrogance, subhanallah, incroyable. Les Français, ils sont connus pour cette arrogance. Quelques jours après, ou c'est ça, quelques jours, la même semaine, il y a eu un attentat contre un professeur qui avait forcé ses élèves à maintes reprises à voir des caricatures. En fait, quand ils disent caricature, c'est un euphémisme, c'est plus des caricatures, c'est des images pornographiques, pour être clair. Donc, c'est des images pornographiques, c'est des dessins pornographiques qui montrent des hommes avec des objets, akramakumullah, dans leur partie génitale ou bien dans leur postérieur. Et c'est écrit sur ces images-là,
Mahomet. Donc, d'une certaine manière, ils prennent des images, puis écrivent sur les images Mahomet. Alors, arrêtez, je dis aux imams de France, arrêtez de faire l'autruche. Alors, eux, ils parlent de Mahomet, ils ne parlent pas de Mohammed Hassan. Non, non, eux, ils appellent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mahomet. Ils le font exprès. Donc, même si nous, on dit, ils ne parlent pas de nous, non, ils parlent de nous. Ils cherchent les musulmans. Allah Azza wa Jalla dit, « Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. » لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Nous t'avons envoyé comme, en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager et que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité. Ça, c'est à propos du prophète, sallam, et le glorifier matin et soir, ça, c'est à propos d'Allah. Ibn Abbas et d'autres exégètes, ils ont dit, « Tu'azziruh, li tu'minu billahi wa rasoulih wa tu'azziruh. » Donc, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoriez. C'est quoi vous l'honoriez, tu'azziruh? Ils doivent lui donner un haut rang. Ils doivent faire preuve d'un profond respect. « Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. » At-ta'zir, donc honorer le prophète alayhi sallam, at-ta'zir ici, ismun jami', c'est un nom qui comprend un ensemble d'éléments. Li nasrihi, secourir le messager, rentre dans l'honorer. Wa ta'yidihi, l'appuyer. Wa man'ihi min kulli ma yu'dhih, et empêcher que quoi que ce soit l'atteigne. Donc, et ce verset-là, les tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh, que vous l'honoriez, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal pour les compagnons et pour la Umma. Donc, la Umma a le devoir d'honorer le prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire empêcher que quoi que ce soit puisse diminuer son rang ou sa valeur auprès des gens. Alors, s'il y a des gens, par exemple, qui mentent sur le prophète, alayhi sallam, vous devez rétablir les faits. S'il y a des gens qui insultent le prophète, alayhi sallam, vous devez rendre l'insulte. Quelqu'un va dire, non, mais parce que Allah nous a demandé de ne pas les insulter pour qu'ils n'insultent pas Allah. Oui, ça c'est si nous, on commence à les insulter. Mais si eux commencent, à ce moment-là, il ne faut pas ignorer l'insulte. Tu as le droit de rendre l'insulte. Et quelqu'un va me dire, mais parce que si on rend l'insulte, on va d'une certaine manière, il vaut mieux ignorer. Ok. Là, c'est notre rôle, fait faire le waqi. Là, on parle d'un contexte. C'est pour ça que j'ai commencé par le contexte. Maintenant, on parle d'un contexte où est-ce qu'il y a des musulmans, tant au niveau local qu'au niveau international, qui sont confrontés à une petite nation qui s'appelle la France, qui à un certain moment était un pays impérialiste et qui maintenant n'a plus que son histoire, mais qui veut continuer à humilier des milliards de personnes. Alors soit ces gens-là, si toi tu vis en France, chaque jour tu entends des insultes et tu baisses la tête et tu encaisses, et la Oumma dans son ensemble laisse cet énergumène, ce petit Macron, dire que moi, je vais réformer l'islam, je vais organiser les musulmans, et que la Oumma l'ignore, soit que la Oumma réagisse. Ce hadith, il est important. Hadith Tamim al-Dari, radiallahu anhu, il a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce hadith, c'est parmi les quatre hadiths fondamentaux en islam. Il a dit, ad-din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. La religion, toute la religion, c'est le conseil, parce que ad-da'wa, c'est une forme de conseil, parce que ta'lim al-ilm, l'enseignement de la science, c'est une forme de conseil, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est une forme de conseil, al-jihad fi sabilillah, c'est une forme de conseil. Donc le conseil, ad-din an-nasiha, toute la religion peut aller sous l'éducation des enfants, c'est le conseil, al-wasiyya avant de mourir, c'est le conseil. Donc le conseil regroupe tout. Alors qulna liman,
Là, les compagnons disent, ils ont du prophète sallam, le Coran c'est pour qui? Allah. Pour son livre, le Coran. Pour son messager. Et pour les imams des les musulmans et pour la Oumma. Ammatihi, monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'explication de les rasoulihi pour son messager. L'imam al-Nawawi, il a dit وَأَمَّا النَّصِيحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ le conseil au messager فَتَصْدِيقُهُ عَلَى الرِّسَالَةِ croire dans le message qu'il nous a apporté وَالْإِيمَانُ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ et croire dans tout ce qu'il nous a transmis, nous a amené وَطَاعَتُهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ et le fait de lui obéir quand il donne un ordre ou qu'il nous demande d'éviter un péché وَنُصْرَتُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا et le secourir, le défendre, vivant et mort. وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُ et déclarer l'animosité envers ceux qui sont contre lui. وَمُوَالَاتُ مَنْ وَالَاهُ faites attention, les gens qui disent « Nous, on se désavoue de ceux qui sont contre notre messager. » Mais il ne s'allie pas avec ceux qui défendent le messager. Donc il faut lui donner l'importance qu'il a, il faut aussi l'honorer et il faut donner vie. Ihya ou tariqatih, sa voix, sa sunna ou sunnatih. Il y a la voix du prophète alayhi salam, la sunna du prophète. Celui qui donne vie à une sunna qui a été oubliée, il a la récompense d'un shahid, d'un martyr. وَبَثُّ دَعْوَتِهِ et diffuser sa da'wa وَنَشْرُ شَرِيعَتِهِ et propager, diffuser sa sharia وَنَفِي تُهْمَ عَنْهَا et aussi la protéger de toutes les ambiguïtés et tout. Alors, ça c'est une preuve الدِّينُ النَّصِيحَ قُلْنَا لِمَنْ قُلْنَا لِمَنْ c'est-à-dire au prophète عليه السلام قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَمَّتِهِمْ aussi parmi les preuves Allah Azza wa Jalla a dit Allah Azza wa Jalla a dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين dit si vos pères vos enfants vos frères, vos épouses, vos clans. Les biens que vous gagnez, les salaires que vous avez, le négoce dont vous craignez le déclin, ah si moi je prends position, si je défends mon prophète, ils vont m'enlever les papiers, ah si je vais perdre mon emploi. Les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, ok. Le séjour en France qui était agréable, les demeures qui vous sont agréables, sont plus chers qu'Allah, son messager, ou jihad fi sabili, et le jihad dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Allah ne guide pas, ne guide point les gens pervers. Sourate At-Tawbah. Donc, il y a aussi l'ijma', le consensus de la Ummah, des savants de la Ummah, que c'est obligatoire. Pour, non pas la Oumma, pour tout musulman, de défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc toi en tant que musulman, si tu entends quelqu'un se moquer du prophète alayhi salatu wassalam, فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Maintenant quelqu'un va dire, tout ce que j'ai c'est éteindre la télé, ne pas entendre. Et si le prof met des caricatures, je ne fais que sortir de la classe. Ok. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Celui qui voit un acte blâmable, qui le change avec sa main. Fa illam yastati, s'il ne peut pas, fa bi lisanihi. S'il ne peut pas, fa bi qalbihi. Wa dhalika adhafu al-iman. Donc si quelqu'un voit un acte blâmable, il doit changer par sa main. C'est quoi changer par sa main? Tu vois une caricature, tu l'arraches. Tu vois une idole, ah le prophète,
n'a pas détruit les idoles, les Sahaba n'ont pas détruit le sphinx, ils n'ont pas détruit les pyramides, c'est vrai. Mais Ibrahim, ah mais ça c'est Ibrahim alayhi salam, Sharm al-Qablana. Ok, mais qui est rentré dans le Kaaba et qui a pris un bâton et qui a commencé à détruire les idoles et qui disait Qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. C'est le prophète alayhi salam. Qui a envoyé Khalid ibn al-Walid, qui a envoyé Ali ibn Abi Talib, qui a envoyé Zubayr ibn al-Awwam et les compagnons pour détruire les idoles Al-Lat wal-Uzza wa Manaf, et qui a demandé à Ali radiallahu anhu d'aplatir toutes les tombes. C'est le prophète alayhi salam. Donc, man ra'a minkum munkaran, celui qui voit un acte blâmable, qui le change par sa main. Il doit enlever l'acte blâmable. S'il ne peut pas, il doit avoir une excuse valable, au moins avec sa langue. Donc, alors, si tu ne peux même pas les arracher, tu te lèves et tu dis que je n'accepte pas que ma religion soit humiliée de la sorte, que mon messager soit avec la langue. Et je me désavoue de ça. Et moi, en tant que musulman, je n'accepte pas ça. Tu es incapable de le dire. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que si tu t'assois avec eux, vous êtes comme eux. Comme eux. Et ça devient problématique pour ta foi. Si on sait qu'il faut secourir le prophète alayhi salatu wassalam, maintenant, le comment ? J'ai dit, subhanallah, que quand tu as un ennemi, la chose la plus importante, c'est que tu dois faire mal à ton ennemi. Et comment tu fais mal à ton ennemi, c'est que tu dois le toucher dans ce qui constitue son point le plus faible. Le modèle occidental aujourd'hui, le modèle capitaliste, est un modèle qui repose sur les capitaux, sur les marchés. Ce n'est pas sorcier, c'est importation, exportation. Donc, ils importent les matières premières, matières grises, la main d'œuvre. Et l'immigration d'ailleurs en France ou ailleurs, elle fait partie des matières grises et de la main d'œuvre. Parce qu'ils ne font plus assez d'enfants et ils ont besoin du développement. Alors, ils amènent des immigrants puis ils fixent des quotas. Et ils ont besoin des marchés extérieurs pour ensuite exporter leurs produits. Donc, si tu touches avec le boycott la consommation des produits, donc il faut venir ces gens-là, il faut venir à la matière première et commence à fabriquer, ensuite à exporter en grand nombre. Donc, si tu ne consommes pas ce qu'eux, ils produisent, fini. L'armée française au Mali, elle arrête. C'est fini. Tu viens d'une certaine manière, tu viens d'aider tes frères au Mali qui subissent les bombardements, qui subissent l'occupation française. D'une manière, pas même indirecte, d'une manière directe. Parce que tu as fait mal au niveau de l'économie. En faisant ça, tu viens de défendre les musulmans qui vivent en minorité en France et qui se font humilier. Ils se font insulter. Donc, d'une certaine manière, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est qu'on a l'obligation de défendre le prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, le comment, Aoujer, fait mal. Ça résume tout. L'économie fait mal ? Fait mal. Boycott fait mal ? Fait mal. Boycott. Et si chaque musulman, il transmet cette prise de conscience, il dit « Ma'rakat wa'i », si chaque musulman maintenant, il dit « Ah, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, il dit « Écoute mon fils, les têtes des martyrs algériens sont encore dans les musées français, est-ce que tu le sais ?» Okay. Comment tu peux les honorer ? En apprenant ta langue, apprends l'arabe. Parce que les Français, ils disent, on a coupé les têtes de leurs ancêtres, on a violé leur grand-mère, et ils parlent encore notre langue à Alger, à Rabat et à Tunis. Ils rient. Et ils importent encore le petit Robert, le Larousse. Et ils suivent les règles de l'Académie française. Donc, la question de l'arabe, maintenant, au niveau du Maghreb, elle va devenir primordiale. Et ne me dites pas qu'on ne peut pas faire des études avancées si on n'apprend pas le français. C'est du n'importe quoi. L'Irak, à un certain moment, était parmi les pays les plus industrialisés, les plus avancés au niveau de la médecine. Et tout le système irakien, à l'époque, au temps de Saddam, était arabisé. Dans tous les domaines.
tout est traduit en arabe. Là, vous allez me dire, mais subhanallah, c'est tout un effort de traduire. Et comment eux, ils ont avancé avant la découverte de l'imprimerie par Gutenberg? Comment ils ont avancé? Ils ont traduit par le mouvement orientaliste les livres des Arabes dans leur langue. Ils faisaient une traduction simultanée, c'est comme ça qu'ils avançaient. Donc, la question de l'arabe, la question de, subhanallah, cette solidarité planétaire, le wala ou le bara. Comment tu peux demander à des gens de faire le wala, de s'allier avec les Palestiniens, les Afghans, les Ouïghours, et ils ne s'allient même pas les Rasoulillah. Ta première alliance avec le prophète, alayhi sallam. Et toi, subhanallah, tu vois ton messager, il est insulté. C'est comme si tu n'es pas concerné. Subhanallah, si ça ne te cherche pas dans ton cœur, tu dois te poser des questions sur ta foi. Parce que si quelqu'un, subhanallah, insulte ton messager, ce qu'il y a de plus sacré que tu es. Donc, le comment, comme j'ai dit, il est... Vous n'avez même plus à vous poser la question. Maintenant, la locomotive, elle a déjà décollé, démarré. Elle est loin. Yajib al-talhaq. Tu dois rejoindre le train. Parce que maintenant, les Français font face à un mouvement planétaire de boycott. Alors, d'une certaine manière, ils ne peuvent plus ignorer la Oumma. Et la Oumma, elle s'exprime via vous tous. Chacun de nous. Bon. Ne dis pas les autres. Donc, ne dis pas que ce sont les autres. Non, non, c'est toi. C'est chacun de nous est responsable.